Il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans ton âme. Qui coule à flot du fond du cœur. Je veux dire ce matin, Seigneur, qu'il y a une source. Il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme et qui coule à flot du fond, du fond, du fond, du fond de mon cœur. Vers mon époux, vers mon bien-aimé, il y a une source intarissable à l'intérieur de moi. Il y a une source en moi. Il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme et qui coule à flot. Le fleuve d'eau vive jaillisse du plus profond de mon cœur vers toi, Seigneur. Il s'agit, c'est un fleuve, c'est un fleuve, c'est un fleuve de louange et d'adoration et dirigé vers toi, Seigneur Jésus, mon roi. Alléluia. C'est un fleuve. Un fleuve de louange, un fleuve d'adoration. Il est orienté, pas vers le peuple, mais vers toi, Seigneur Jésus, mon époux, mon bien-aimé, mon maître, mon sauveur, mon rédempteur, mon souverain, sacrificateur, mon propriétaire légitime, c'est un fleuve de louange. Fleuve d'adoration, d'adoration dirigé vers toi, Seigneur Jésus, mon roi. Alléluia. C'est un fleuve.
fleuve de louange. Fais sortir ce fleuve de nous par le Saint-Esprit. Et d'adoration, Père, et d'adoration, dirigé vers toi, Seigneur. Oh, orienté vers toi, ma source, mon rocher, mon abri, mon secours, ma forteresse, mon abri sûr. C'est un fleuve de nous. Reçois l'expression de notre gratitude. Reçois l'expression de notre adoration. Et d'adoration, orienté, dirigé vers toi, Seigneur. Jésus, mon roi, alléluia. Il s'agit d'un fleuve, c'est un fleuve de oh Seigneur, un fleuve reçoit ce fleuve d'adoration et d'adoration. Il provient de l'époux. Sur la terre, il est orienté, dirigé vers toi, Jésus-Christ, mon roi, notre roi. Alléluia. C'est un fleuve de louange et d'adoration. Accorde-moi la grâce de voir sortir de moi. De voir sortir de nous, donne-nous cette grâce. De voir sortir de nous ce fleuve dirigé vers toi, Jésus notre roi. C'est un fleuve de louange et d'adoration. Oh, de contemplation, d'adoration, de supplication, de gratitude. Dirigé, dirigé, dirigé vers toi, Jésus-Christ, mon roi. C'est un fleuve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire sortir un fleuve, qui veut faire jaillir un fleuve de louange et d'adoration, de contemplation en l'honneur de l'époux, le bien-aimé, le roi, le rédempteur, dirigé vers toi, Seigneur, Jésus, mon roi. Quelqu'un qui a envie de lever les mains, connecté au son de ma voix, y a-t-il un peuple qui a envie de lui dire, il y a une source en moi, il y a une source en moi, il y a une source en moi, il y a une source en moi qui jaillit en mon âme et qui coule à flot du fond du cœur. C'est la soif de Dieu, c'est la soif de toi. Il y a une fontaine en moi, il y a une source, il y a une source en moi, il y a une source en moi qui jaillit dans mon âme. C'est l'expression de ma soif de toi. Et qui coule à flot du fond du cœur vers toi, Seigneur. C'est un fleuve, c'est un fleuve de louange. Oh, laisse-le monter. Et d'adoration, d'adoration, et
est dirigé. Il n'est pas dirigé, il n'est pas dirigé vers l'assemblée. Il est dirigé vers toi. Que mon cantique soit pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et qu'une mélodie d'adoration, une mélodie de louange, de gratitude, d'action de grâce et d'adoration. Montons l'honneur, montons ton honneur, monte vers toi, dirigé vers toi, Seigneur. Jésus, mon roi, alléluia. Encore une fois, c'est un fleuve de l'eau. On reçoit l'expression de notre adoration. Reçois l'expression de notre action de grâce, de notre contemplation. Abba, 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 dirigé vers toi, Jésus notre roi. Allez, oh, je ne peux pas me lasser de dire, c'est un fleuve de louange. Reçois notre adoration, reçois notre gratitude, reçois notre louange, reçois notre contemplation et l'adoration. Dirige vers toi, Seigneur, à Jésus. Ce fleuve, des fleuves de vie, des fleuves d'amour, des fleuves de joie, des fleuves de paix, fais-les jaillir ce matin, fais jaillir du cœur de ton épouse, du cœur de ton église, dirigé vers toi, Jésus notre roi. L'expression des cœurs qui désirent être assoiffés de toi. Oh Jésus, mon roi. Alléluia. C'est un fleuve de louange. Fais jaillir ces fleuves d'eau vive. Ce matin, des fleuves de paix. Là où le monde dit peur, paix. Des fleuves de joie. Là où le monde dit tristesse, joie. Des fleuves d'amour. Là où le monde ressent la haine, amour. Des fleuves de foi. Là où le monde dit peur, incrédulité, foi. Fais jaillir fais-les jaillir de l'intérieur. Ils viennent de ton homme intérieur. Oh, que ces fleuves irradient, envahissent, saturent nos cœurs, nos émotions, nos sentiments, nos pensées, nos émotions. Que tout en nous soit envahi, soit débordé par des fleuves de vie, des fleuves de guérison, des fleuves de libération, des fleuves de transformation. C'est un fleuve de louange. Et d'adoration dirigée vers toi, Seigneur, Jésus, mon roi. Alléluia. Arrida da da mara, chida da do dire, arrida mara, chida da da mara. Ah, bien-aimé, peux-tu élever la voix pendant quelques instants? Exprimer avec tes propres mots ta soif, ton soupir, ton désir de le vivre, de le rêver, de le refléter, de lui ressembler. Peux-tu prendre quelques instants là où tu es dans
sa présence connectée depuis ICC chez vous au son de ma voix pour exprimer. Oh Dieu, ne force pas ta volonté. Il veut être désiré. Là où il n'est pas désiré, il ne s'exprime pas. Là où il n'est pas invité, supplié, désiré. Voilà pourquoi Jésus a dit, en ce qui concerne le Saint-Esprit, il faut commencer par demander. Mais ne vous arrêtez pas à demander. Ensuite, il faut chercher jusqu'à le trouver. Et lorsque vous l'avez trouvé, ne vous arrêtez pas à l'avoir trouvé. Frappez, utilisez la clé. Frappez, frappez et continuez de frapper. Comme la veuve devant le juge unique, continuez de frapper. Que se passera-t-il? Il se passera la dimension où la porte sera ouverte. Et quand la porte sera ouverte, ça sera ce qu'on appelle un déferlement, un déversement, effusion, tsunami. C'est Seigneur. Oh, répands ton esprit. Répands des fleuves. Répands-les sur nous. Répands-les en nous. Déverse. Et qu'il jaillisse de l'intérieur pour se répandre par nos paroles, par notre voix, par notre témoignage, par la qualité de la vie éternelle que tu nous fais expérimenter. C'est un fleuve, c'est un fleuve de louange et d'adoration. Seigneur, nous ne savons rien faire sans toi. Nos sources sont en toi. Notre soif, c'est toi. Notre faim, c'est ta parole. Notre espérance, c'est toi. La source de notre assurance, c'est toi. Notre paix, c'est toi. Notre chirurgien, c'est toi. Notre gardien, c'est toi. Notre bannière, c'est toi. Notre avocat, c'est encore toi. Notre défenseur, notre roc, notre bouclier. Notre protecteur, c'est toi. Notre pourvoyeur, c'est toi. Le pourvoyeur en sagesse, le pourvoyeur en intelligence, le pourvoyeur en vigueur et en force. Celui sur qui nous comptons. Nous n'avons pas de plan B, nous n'avons pas de plan C, nous n'avons pas d'autre issue, nous n'avons pas d'autre secours que toi. Nos sources sont en toi, nos regards sont sur toi. Aie compassion de nos manquements, de nos faiblesses ce matin. Accorde-nous la grâce de t'aimer, de te connaître. Là où nous étions séparés, reconnecte-nous. Là où nous étions égarés, ramène-nous. Là où nous étions dispersés, déconcentrés, distraits, refocalise-nous. Là où nous étions perdus, retrouve-nous. Là où nous étions tombés, relève-nous. Là où nous étions courbés, redresse-nous. Mais nous t'implorons, fais de nous cette église glorieuse, victorieuse, sans tache ni ride, conquérante, triomphante, resplendissante, que tu reviendras chercher, à laquelle tu prends plaisir. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Oh, s'il te plaît, pas qu'un homme soit entendu, mais que ton cœur soit entendu. Fais la différence, Esprit de Jésus, car nous te reconnaissons comme étant la différence. Ne sois pas seulement la différence, fais la différence. Ah, tu as dit, on verra désormais la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui te servent avec leur dîme et leur offrande, et ceux qui ne te servent pas. Oui, parce que dans Malachie chapitre 3, il s'agit d'offrande. Tu as dit, on verra la différence. Fais cette différence, rends-la visible à travers les vases de terre que nous sommes. Pas pour nous, pas pour notre gloire personnelle, mais à cause de ton nom, pour la seule gloire de ton nom. Merci Père d'entendre les supplications, les soupirs et les gémissements de nos cœurs. Merci de ne pas nous laisser où nous sommes, parce qu'il y a plus que ce que nous sommes et là où nous sommes. Merci de nous emmener de gloire en gloire, à la manifestation, à la révélation
de l'église glorieuse, de l'église sans tache ni ride, car c'est cette église que tu es en train de bâtir pour la fin des temps. C'est cette seule église qui fera la différence. C'est cette église dans laquelle tu prends plaisir. Accorde-nous dès lors de faire partie de cette catégorie en laquelle tu prends plaisir. Non pas celle que tu tolères, mais celle que tu agrées. Celle qui fait l'allégresse et la joie de ton cœur. Oh, localise-nous, intègre-nous dans cette église victorieuse maintenant et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre, ou alors jusqu'à ton retour. Merci de ce que tu entends les suppliques cachées de nos cœurs et de ce que tu feras infiniment abondamment au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons. Par ta puissance qui agit en nous, Père, dans le nom de Jésus, le Christ, nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce, il y a une personne connectée au son de ma voix. ICC chez vous, qui a envie de battre des mains. De cet fleuve de louange. Une personne est en train d'acclamer pendant qu'elle est en train de dire, à l'intérieur de moi, il y a ce fleuve d'adoration. Il est dirigé vers toi, Seigneur. Ce feu est pour toi, cette soif est orientée vers toi. C'est un fleuve de louange et d'adoration. Et d'adoration dirigée vers toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé, si ce fleuve, si tu désires que ce fleuve jaillisse du plus profond de toi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur présent en ce lieu par le Saint-Esprit? Nous t'honorons, nous apprécions ta présence, nous te désirons. Nous avons faim et soif de toi. Merci, Père, dans le nom de Jésus, d'étendre ta main, d'inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Au nom de Jésus.